nommé par le Conseil des ministres en sa séance du 20 juin 2024, Fidèle Alogo Nkogé a été installé officiellement dans ses fonctions de secrétaire général de la mairie de Libreville lors d'une cérémonie sobre le mardi 2 juin à l'hôtel de ville par le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Jules Ibrahim Rapochombo. Le nouveau patron de l'administration municipale n'est pas un néophyte aux questions municipales. Il est géographe et expert en développement local. En 2006, à l'université Paul Valéry Montpellier III, il obtient un doctorat nouveau régime de géographie et aménagement. Professeur titulaire depuis 5 ans des universités et grandes écoles de géographie et aménagement. Géographe pluridisciplinaire, le professeur Alogo Nkogé a fait prévaloir ses compétences, notamment pédagogiques, sur diverses questions. Enseignement, recherche, séminaire de formation, management des organisations et des projets, gouvernance universitaire, gouvernance participative, gouvernance locale, aménagement du territoire. Il s'est également penché sur des préoccupations des collectivités locales, à savoir élaboration des stratégies de développement, décentralisation et municipalité, politique de la ville, environnement et milieu naturel, développement durable, etc. De 2019 à 2024, sur le plan administratif, il fut directeur général de l'École normale supérieure, directeur du laboratoire Sciences de l'Homme, Société Environnement et Patrimoine, ENS Libreville. De 2010 et 2011, il mène des études de terrain et analyse des projets de développement en coordonnant respectivement le plan de développement socio-économique des zones d'Angondji, d'Avonobam et Koitini. Il a fait l'objet de plusieurs distinctions honorifiques à l'international, Palme académique OIPA, CAMES, commandeur dans l'Ordre d'éducation nationale Gabon, lauréat du prix Sciences humaines et sociales, RES, CEPIG, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, édition 2013-2014. Notons que Fidèle Alogo Nkogé est un produit de l'université Omar Bongo où il a obtenu tous ses parchemins. C'est un ancien élève du lycée d'État de l'Estuaire, l'actuel lycée Paul Ingenji Ngondjou, où il a obtenu en 1987 le baccalauréat.